Somme d'empire, on va le gagner. Tout à l'heure, c'est la coupure de l'électricité parce qu'il y a beaucoup d'appareils qui sont trop. Excusez-nous.
ដើម្បីបងប្រាយជូនបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដើម្បីឲ្យដឹងថាតាមពិធីនឹងរយៈពេល 30 ឆ្នាំកន្លងផុតទៅក្នុងវត្តមាសីតែមានដំណើរការយ៉ាងណាខ្លះសូមជម្រាបជូន សូមជម្រាបអ្នកណៃមួយផងអរគុណច្រើនអ្នកស៊ីបុកគូ Chers amis, bonjour. Aujourd'hui est un grand jour car nous célébrons ensemble le 30e anniversaire de la pagode et de notre association, l'ADCRCC, l'association pour la défense de la culture, de la religion et de la civilisation cambodgienne. À cette occasion, nous pouvons regarder en arrière et apprécier ensemble notre long parcours, non sans obstacle, pour créer ce lieu unique et précieux pour beaucoup d'entre nous. L'existence de la pagode du Wat Marseille n'a pu être possible sans la contribution fidèle et constante de tous les bénévoles, de multiples façons, pendant toutes ces années. Nous voudrions donc rendre un hommage appuyé et chaleureux et exprimer notre infinie gratitude aux fondateurs, aux moines, aux bénévoles, aux donateurs, aux artistes, aux familles, aux fidèles, aux voisins et à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à notre œuvre commune. Nous remercions également nos donateurs d'ici et d'ailleurs, des États-Unis, du Laos, de la Thaïlande et du Cambodge. Merci aussi aux nombreux fidèles qui sont venus spécialement à notre fête par cas entier de Lyon, de Nice, de Paris. Ces amis nous ont toujours soutenus depuis la création de la pagode. À vous tous, merci. Une fois, merci. La DCRCC est une association apolitique régie par la loi de 1901. Elle a été créée en juin 1986 par des Cambodgiens de la région provençale. Préserver la culture cambodgienne afin de la transmettre aux générations futures. Loin de leur pays natal, les Cambodgiens ont trouvé en la France une véritable terre d'asile.
et une patrie pour leurs enfants. À ce jour, il n'est pas exagéré de dire que les Cambodgiens représentent un modèle d'intégration réussi. Pour autant, nous n'avons pas oublié d'où nous venons. Aussi, il tient à cœur de perpétuer notre culture populaire, nos arts, ainsi que l'enseignement de la langue mère, véhicule de notre civilisation et de nos traditions ancestrales. La foi bouddhique qui anime notre communauté et cimente notre unité est aussi à l'origine de notre association. Au tout début, il y avait les anciens. La plupart d'entre eux nous ont quittés à ce jour. Exilés en France, ils se sentaient déracinés ou perdus. C'était pour eux une nécessité d'avoir un lieu de culte et un lieu où les Cambodgiens pouvaient se rencontrer, rechercher des amis ou des membres de leur famille, perdus de vue ou séparés par la guerre. La pagode est aussi un lieu de paix, où l'on évite de faire du mal, où l'on cultive le bien, où l'on purifie son esprit. Ces anciens ont sacrifié tout leur temps, leur revenu. Ils se sont entièrement dévoués à la création de Voix de Marseille, où nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons donc une pensée particulière, avec toute notre gratitude, à ces aïeux qui nous ont montré le chemin. Nous sommes leurs héritiers. Nous continuons leur œuvre sacrée et nous voulons en être dignes. Depuis l'établissement de la pagode, notre sangha aux communautés monastiques était guidé par le vénérable Tham Sopran, qui était aussi connu sous le nom de vénérable Tham Pham. Depuis son décès en 2004, l'organisation de la pagode est passée sous la responsabilité de Mme Yu Tila, présidente, M. Pai Pir, trésorier, M. Pak Wuti, secrétaire général, et du vénérable Marasam Yus, chef religieux. Depuis notre installation en ce lieu, nous avons comme projet la construction d'un Vihara, un temple de style mère à la fois sobre et raffiné, mais assez vaste pour accueillir tous nos fidèles. Malheureusement, une association culturelle et religieuse à but non lucratif n'est pas ce qui inspire le plus confiance aux banques. De ce fait, nous n'avons pu obtenir l'appui d'un crédit bancaire. Grâce uniquement aux dons des fidèles, nous avons pu commencer les travaux et réaliser les fondations du temple. Selon la parole de Bouddha, il n'y a que deux erreurs que nous pouvons faire sur la voie de la vérité. Ne pas commencer et ne pas avancer. Pour ce qui concerne notre temple, nous avons commencé et nous allons avancer. Nous faisons donc un appel solennel à vous tous, à votre générosité, pour contribuer selon vos moyens à ce noble projet. Union aux jeunes est à votre disposition pour vos dons. Vous trouverez également des stands de vente de plats et de produits divers apportés et vendus par des bénévoles. La totalité des sommes résultant des ventes sera versée à la pagode. Les familles ont également composé des arbres symboliques dont les branches portent des billets qui représentent leurs dons à la pagode. Ces arbres portés par l'ordonnateur formeront la procession de la fête des fleurs. Nous reviendrons vers vous pour vous expliquer les différentes danses qui composent notre spectacle. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une très belle journée à notre compagnie. Merci. សូមរកថាទីភាសាខ្មែរបន្តពីមកសិក្ខារីហើយតាមសិក្ខាវិទ្យាបកប្រែឲ្យអ្នកស្រីសុវិជ្ជាបាទខ្ញុំសូមបានទទួលព្រឹកមិញបាទអានទៅតាមបន្តក្នុងសោជំរាបសួរអ្នកស្រីនិងកញ្ញា